des cadres supérieurs de la santé face au ministre de la fonction publique ce 6 février. Des médecins pour la plupart, pas encore à la retraite, mais qui ont malencontreusement été révoqués de leurs fonctions. Une situation d'inactivité qui dure depuis plusieurs années et qui devient indécente pour ces ex-fonctionnaires face à leur entourage. J'étais anciennement directeur départemental de la santé de Bangolo. Depuis 2012, je n'ai pas de poste et j'ai été mis à la disposition des ressources humaines. C'est vraiment gênant de se retrouver chaque jour assis à la maison, sans aller au travail, par rapport aux voisins, par rapport aux enfants. C'est la dignité humaine qui est bafouée. Une gêne qui pourrait certainement être très bientôt un vieux souvenir. Niamien Konan, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, a décidé d'y remédier. Au cours d'un tête-à-tête avec ses fonctionnaires défavorisés, des promesses de redéploiement et de recasement ont été faites. Ils ont été, pour la plupart, des directeurs régionaux, des directeurs départementaux. Certains ont plus de 20 ans d'expérience. Je pense que l'État aussi doit tout faire pour leur trouver un poste pour que l'ensemble de la nation puisse continuer de profiter de ses compétences et de ses expériences. Entre autres solutions de remise en poste de ces ex-cadres de la santé, la création de postes intermédiaires et également la prise en compte du critère d'ancienneté.